accueille Hervé Claude. Hollywood n'est plus ce qu'il était. Columbia a déjà été racheté par les Japonais de Sony. Eh bien, cette fois, c'est un groupe européen qui attaque. Pathé veut racheter la MGM, la fameuse Metro Goldwyn Mayer, celle du Lion. Waouh ! Comme ça, c'est l'association des deux plus vieux cinémas, des deux plus vieux noms du cinéma mondial. Tout le monde en a parlé à retrouver Hervé Claude, chez lui, en bord de mer, dans le Morbihan. Bonjour. Bienvenue dans mon repère breton. Venez, je vais vous montrer. Alors, on traverse la maison et on est directement sur la Ria, en fait, parce que c'est une Ria, c'est pas vraiment la mer. C'est la mer, l'océan qui remonte dans la terre. On a l'avantage d'être au bord de la mer, vraiment, et de ne pas avoir quand même les violences des tempêtes de l'océan. C'est quand même beaucoup plus calme et beaucoup plus doux, notamment quand le vent souffle. Mais en revanche, c'est quand même la mer, juste au bout du jardin. Et tous les matins, direction la plage, à seulement quelques kilomètres de là, le temps pour Hervé d'éveiller son corps et son esprit. On va beaucoup sur les plages, marcher, se baigner l'été bien sûr, sans compter les virées qu'on fait plus loin. Il y a des tas de choses à voir dans la région. Le matin, quand je manque un peu d'inspiration, eh bien je viens ici, je marche le long de la plage, je marche le long des dunes, et ça revient. Et je reviens à la maison pour travailler. Ce que ça m'apporte pour l'écriture, au fond, c'est plus un apaisement. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis assis à ma table de travail le matin, je suis un peu énervé, je trouve pas mes idées, j'ai pas envie vraiment d'écrire, etc. Alors je prends ma voiture, je file ici, et je marche sur la plage. Et là, tout d'un coup, ça m'apaise. Je me sens bien, les idées reviennent. Quand je rentre à la maison, je suis plus que calmé, et j'ai des idées. Et c'est donc apaisé et inspiré que l'ancien journaliste présentateur du journal télévisé de France 2 peut retourner à son travail d'écrivain et à son 17e roman. Alors là, on arrive dans mon bureau. Ici, avec une vue sur la Ria, et c'est ici que je travaille. Voilà. C'est ici que j'écris. En général, voilà, j'écris à la main. Ça, voilà, ce que j'ai fait un peu cet été. Une fois que j'ai écrit à la main, que le travail est à peu près fini correctement, je le dicte à mon ordinateur avec un logiciel de reconnaissance vocale. Et c'est très agréable parce que ça fait une lecture à haute voix. Bon, je suis très inspiré par les lieux, dans ma mémoire, etc. J'aime beaucoup voyager. Donc souvent, mes livres sont partis ailleurs, sont partis voyager. Mais j'ai fait deux romans qui se passaient en Bretagne, qui se passaient ici, dans cette maison d'ailleurs. La première fois que je suis parti en Australie, j'ai eu une idée de roman noir. J'avais écrit d'autres romans, mais cette fois, j'ai eu envie d'écrire un roman noir. Je l'ai fait, je l'ai donné à la série noire, ils me l'ont pris en 8 jours. Alors je me suis dit, un, l'Australie m'inspire, ça va servir de cadre à mes romans, en plus ça plaît aux éditeurs et aux lecteurs apparemment, et deux, comme ça, il faut que je retourne en Australie régulièrement, ce que j'ai fait. Voilà. L'Australie est désormais son deuxième port d'attache, où il passe tous ses hivers. Ses romans s'inspirent de ce pays et de sa culture qu'il connaît parfaitement. Maintenant, on va aller faire un petit tour à vélo. C'est chaque jour obligatoire à l'heure du déjeuner. Comme ça, il n'y a personne sur les routes, c'est très bien. Je prends mon petit vélo et j'y vais. Moi, ça me détend l'esprit. C'est-à-dire que, effectivement, c'est plutôt le besoin physique après l'écriture. On est resté à sa table, à se creuser la tête et à s'ennuyer parfois aussi un petit peu. Après, une bonne détente, une bonne suée sur le vélo, ça fait le plus grand bien. De retour chez lui, il retrouve son compagnon, Matei, sculpteur. Deuxième partie de la maison, c'est par là. Dont il partage la vie depuis plus de 20 ans et qui a son atelier dans la maison. T'es en train de travailler ou pas? On vient de voir. On a chacun notre espace. Notre lieu, notre espace. Bien sûr qu'à la fin, on se retrouve et on discute pas mal. Ouais, de notre travail. Mais on a chacun notre espace. Donc, par exemple, le matin, on ne se voit pas du tout. On se voit exactement le soir. Ouais. Le matin et le soir, oui, c'est très bien. Mais ce n'est pas celle que tu avais exposée chez Clara.
Celle que tu avais exposée chez Clara, c'était complètement différent. Allez, on va boire un petit coup. Désormais loin des plateaux de télé parisiens, Hervé Claude peut aujourd'hui vivre sa vie en toute sérénité. Et maintenant, la lumière se rallume sur Hervé Claude. Hervé, bienvenue sur le plateau, tout le monde en a parlé. Vous êtes né le 19 novembre 1945 à Paris. Exact. Père Lorrain. Oui. Directeur commercial chez Unilever, mère bretonne. Oui. Père Lorrain, mère bretonne, comme Victor Hugo. Alors, femme au foyer, avec 5 enfants, ça se comprend. Oui. Et vos parents s'étaient rencontrés pendant la guerre à Paris, en fait. Exactement, oui, ouais. Absolument, oui. Alors, famille catholique, sans histoire, d'ailleurs, enfance un petit peu ennuyeuse. Oui, ennuyeuse, c'est vrai, mais quand je réfléchis, c'est quand même une enfance pas protégée, mais c'est une enfance formidable. Ouais. Parce que j'ai eu, on m'a donné toutes les cartes en main, je veux dire. Ça, c'est formidable. Vous dites quand même, j'étais impatient de passer à autre chose. Oui, c'est vrai, je m'ennuyais. Je m'ennuyais terriblement au lycée, j'étais pas mauvais, mais je m'emmerdais, quoi. Heureusement, il y a les grandes vacances en Bretagne. Là, tous les ans, vos parents louent une maison à Rothenneuf, près de Saint-Malo. Et là, il y a la voile. Ah oui, ça, ça a beaucoup compté. C'est-à-dire que, pareil, nos parents étaient très sympas, ils n'étaient pas très fortunés, mais ils nous ont acheté un bateau dès qu'ils ont pu. Et on a commencé à naviguer. Et moi, évidemment, ça m'a... le virus m'a pris et j'ai fait beaucoup, beaucoup de compétitions pendant 12-13 ans. On finira en équipe de France, quand même. Hein. Oui, 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 j'étais jusqu'en équipe de France. On a préparé les Jeux Olympiques. Oui, ouais, pas mal. Alors, scolarité dans les lycées Montaigne et Louis-le-Grand. Aucun souvenir vraiment marquant, sauf ce prof de français qui vous donne le goût de la lecture en vous obligeant à lire les classiques. Oui, mon seul regret, c'est que je ne me souviens pas de son nom. Mais à part ça, oui, c'était en seconde. Et c'est vrai qu'il nous a fait lire toutes les semaines. Il fallait qu'on lise un classique. Ça allait de Gobineau à Mauroy, etc. Donc vraiment, ça, ça m'a donné le goût de la lecture. De, voilà, oui. Ça vous a aidé plus tard. Ah bah oui. Ensuite, Sciences Éco et Sciences Po, pas mal, mais pas d'école de journalisme, parce que vous n'avez pas de vocation particulière à l'époque. Dans mon milieu, le milieu de mes parents, on ne connaissait pas du tout les journalistes, donc on ne savait même pas comment il fallait faire pour être journaliste, donc ça ne m'était pas venu à l'esprit. Mais sinon, j'étais un dévoreur de journaux depuis tout petit. Alors, vous voulez écrire, et finalement, la façon la plus simple d'écrire, c'est le journalisme. Le problème, c'est que vous ne connaissez personne. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais l'été, comme beaucoup d'étudiants, etc. Et j'ai travaillé à l'INSEE, et j'ai rencontré l'attaché de presse de l'INSEE, qui était un ancien journaliste, et qui m'a envoyé voir des copains à lui, pour voir si ça pouvait marcher, etc. Et il m'a envoyé un jour voir le fameux Gabriel Aranda. Ah, mais c'est celui de la feuille d'impôt de Chaban-Delmas. Voilà, exactement, oui. Mais qui était à l'époque à la fois chef du service économique à la deuxième chaîne, à l'époque ça s'appelait même pas Antenne 2, et qui était chef du service économique d'un journal qui s'appelait L'Actualité, où j'ai commencé à travailler. C'est quoi L'Actualité? C'était un magazine qui était dirigé par Paul-Marie Delagorre, c'était un hebdo qui n'a pas tellement marché, c'était un hebdo un peu gaulliste de gauche. Oui. C'était, voilà. Très éphémère, oui. Très éphémère, mais avec, j'ai rencontré plein de gens, y compris Françoise Kramer qui est devenue ma femme. Absolument. Voilà. Alors ensuite France Inter, vous êtes rentré comment à France Inter? Alors c'est pareil, c'est-à-dire qu'entre-temps j'ai fait mon service militaire, je l'ai fait Boîte-à-Longeville puisque je faisais de la voile en compétition, et puis après quand je suis revenu, eh ben, je suis retourné voir tous les journalistes que j'avais connus dans ma première période. J'ai eu une proposition à Inter, j'ai eu une proposition à la télé, j'ai choisi plutôt la radio, ça me plaisait plus a priori. La télé c'était, c'est pas le tout début, mais on se rendait pas compte vraiment de ce que ça donnait. Le 1er janvier 1975, vous entrez à Antenne 2. Ouais. Comment? Alors ça, c'est l'explosion de l'ORTF à l'époque. Ouais. Giscard a fait exploser l'ORTF dans les différentes sociétés, et il se trouve que les chaînes de télé avaient envie de renouveler les visages, mais ils n'avaient pas le droit de piocher hors du vivier de l'ORTF. Et donc, tous ceux qui étaient à France Inter à l'époque, Gildas, Poivre d'Arvor, Amar, Benyamin, tout ça, on est tous passés à la télé à ce moment-là. Oui, presque la plupart sont passés à la une, et moi je suis passé à la une. D'accord. Voilà. Alors là, c'est quand même la célébrité. Vous faites le journal pendant pratiquement une quinzaine d'années. Quelles ont été les réactions de votre entourage quand on vous a vu présenter le journal télévisé? Vos parents, par exemple? Oui, mes parents. Enfin, je ne sais pas si ça les bluffait vraiment. Je crois qu'ils étaient contents pour moi. C'était bien, c'était sympa, mais ce n'était pas extraordinaire, quoi. Je pense que pour faire un petit saut dans l'avenir après, ils ont été beaucoup plus bluffés le jour où je suis passé apostrophe avec Pivot, par exemple. Mais voilà, ça, ça les a un peu bluffés, puis ils étaient vraiment fiers. Mais autrement, le journal, bon, j'étais journaliste, quoi. Bon, voilà.
Avec les médias, vous n'avez jamais eu de problème. Vous avez toujours été très bien traité par les supports professionnels. Presque très bien. De temps en temps, j'ai eu quelques méchantes réactions. Par exemple, je me souviens d'un jour, c'était drôle, parce que j'avais interviewé Marché aux 20h. Puis c'était, vous savez, c'était à l'époque où il était passé ses vacances chez Ceausescu. Alors évidemment, j'avais eu quelques questions un peu pointues dans l'interview. Et notamment, je lui avais coupé la parole, on était passé à autre chose. Et j'avais eu le droit à la une de rouge avec les grossiers de l'écran. Ouf. Sympathique. Bon titre en même temps. Oui, en plus. Question argent, vous n'avez pas gagné beaucoup d'argent à l'époque. Oh, pas mal quand même. Enfin, je veux dire, j'ai pas gagné beaucoup d'argent. C'est pas, j'ai eu un salaire qui a progressé, mais c'est vrai que le jour où on fait le 20h, bon, on devient le salaire le plus important de la rédaction, quoi. C'est clair. Donc, ce qui fait d'ailleurs souvent une petite césure, avec les autres, parfois, etc. Voilà. Mais autrement, oui, c'était le service public quand même. Ouais. Donc, c'était pas non plus les tarifs de TF1 aujourd'hui. Hein. Vous n'avez pas mis d'argent de côté pour plus tard, disons. Non, pas trop. Non. Pas trop. Non. Alors, question amour. En 1976. Vous divorcez de la journaliste Françoise Kramer. Oui. En fait, vous êtes gay, mais vous n'avez jamais de coming out. C'est-à-dire, vous dites, dans cette démarche, il y a la volonté d'avouer. Je trouve ça terrible, c'est comme l'affaire Lewinsky. C'est-à-dire, cette philosophie de l'aveu à l'anglo-saxonne, ce n'est pas votre truc. Ah non, je déteste ça. Ouais. Et puis en plus, je pense qu'il y a, il y a un autre élément, c'est-à-dire, enfin, je ne sais pas comment ça se passe chez les Américains, ils sont plus souvent dans le placard. Moi, je n'ai jamais été dans le placard, je veux dire. Quand oui, dans les rédactions, vous travaillez, tout le monde le savait, en fait. Ben voilà, j'ai vécu avec Françoise. Après, bon, je suis passé à autre chose, mais dans les rédactions ou mes amis, tout le monde savait avec qui je vivais. Vous ne cachiez pas, Je n'ai jamais caché quoi que ce soit. Ouais. On ne m'a jamais non plus posé directement la question, donc voilà. Et après, quand on a lu vos bouquins, c'est devenu très clair. Ah ben, c'est devenu plus clair. Alors, à ce moment-là, on m'en parle plus, effectivement. Oui, évidemment, Enfin, en 2009, comme dans Libération, vous avez annoncé que vous étiez pacsé avec Matteï Negreanu, qui est un sculpteur sur verre. Donc... Bah voilà, au fur et à mesure, on est plus souvent ensemble. Ça fait 22 ans qu'on est ensemble maintenant, donc bon, voilà. On peut vous croiser ensemble. Alors, quel a été le meilleur moment de cette époque du journal télévisé sur Antenne 2. Ce qui est formidable toujours, c'est les rencontres, même très brèves, qu'on peut avoir 3 minutes d'interview avec des personnages assez exceptionnels, de Barbara Hendricks à des hommes politiques, le président de la République, le Premier ministre, etc. Ça, c'est vraiment des moments forts, si vous voulez. Mais finalement, je trouve que c'est austère, le journal. Donc, les vrais moments de télé où je me suis amusé, c'est parfois quand on allait chanter chez Drucker en bande avec Zabel et Holtz ou des trucs comme ça, qu'on a fait souvent, d'ailleurs, je passais dans un tas d'émissions. Donc ça m'apparaît être des moments de bonheur par rapport à la difficulté, le travail même enthousiasmant qu'on faisait au journal. Enfin, il y a quand même eu un moment marrant, c'est un jour en fin de journal. c'est-à-dire le réalisateur ne coupe pas le plateau, vous savez plus quoi faire et vous cachez sous le bureau. C'est quand même très marrant ça. Mais c'était amusant parce qu'en fait j'avais vu ça dans un film américain, c'était un film à sketch et bon voilà, j'ai pas voulu le refaire exactement, mais c'est vrai que j'ai senti que le générique ne partait pas. Et je me trouvais à l'antenne et qu'il n'y a rien de plus bête que de fermer son stylo, etc. Et donc j'ai dit à mon assistante qui était derrière la caméra, je lui dis chiche que je dise sous le bureau. Elle m'a dit pas cap, et évidemment, et je l'ai fait. On en parle encore. Mais on en parle encore, c'est ça qui est fou. Quoi. J'ai fait le journal pendant presque 20 ans. On vous parle de ça. On repasse cette séquence. Et oui. Quel a été le pire moment de cette époque? Moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mauvais souvenirs, puis je les efface vite. Hein. Mais à la réflexion, je me suis dit qu'il y en avait un qui était quand même vraiment pas bien. Ça a été au moment de la guerre du Golfe. Parce qu'au moment de la guerre du Golfe, là, je faisais le 20h, on faisait des émissions spéciales, etc. Et... D'abord, on avait très très peu d'informations et on s'est aperçu très vite, on l'a senti très vite. D'abord que c'était très anxiogène par rapport à ce qu'on montrait, etc. Et ensuite qu'on se faisait manipuler complètement par l'information américaine. Et là, on a tous eu, je crois, un sentiment vraiment très désagréable. Ouais. Et là, après 20 ans de maison, en 1995, Jean-Pierre Elkabbach vous vire. Mais pourquoi? Il faudrait lui demander, je ne sais pas. Ouais. Non. Il a mis qui à la place? Qui avait à l'époque Bruno Mazur, mais qui faisait déjà le journal, je ne sais plus, bon, voilà. Et si après, il y a eu Étienne Lénart aussi, voilà. Bon. C'est vrai qu'il avait plus de pression possible sur Étienne Lénart que sur vous, quand même. C'est possible, oui. Puis moi, je l'avais connu dans une autre vie, Jean-Pierre Elkabbach, puisqu'il avait été notre rédacteur en chef entre 77 et 80, et que ça s'était très mal passé aussi. Ouais. Pas seulement pour moi. Donc, il vous vire. Ensuite, vous allez sur Arte, ou sur Forum Planète. Sur France 2, vous reviendrez pour faire Agapé. Excellente émission. Merci. Enfin, vous ne serez plus jamais exposé médiatiquement comme vous l'avez été au moment du journal. Non, j'ai presque envie de dire tant mieux, d'ailleurs. Ah oui, vous n'êtes pas nostalgique de ça?
Pas de la notoriété, non. Je peux être nostalgique parfois de certaines choses. Par exemple, c'est vrai que quand j'arrive sur un plateau de télé comme ici, l'ambiance de télé, les caméras qui tournent, ouais, la préparation, tout ça, même s'il faut attendre et tout, je trouve ça sympa. Et encore, ce dont je serais un peu plus nostalgique, c'est le travail collectif à la rédaction. Ouais. Par exemple, les conférences de rédaction de 15h30, ouais, 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 c'est quand même un souvenir formidable. Et de temps en temps, je me dis, ah, quand il y a un événement politique, j'aimerais y être. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, quand je suis passé à Arte, il y a eu le 11 septembre, ouais, et ce jour-là, comme je faisais les thémas, mais je faisais pas de l'actualité quotidienne, je me suis retrouvé sans rédaction. En plus, la rédaction était à Strasbourg, moi j'étais à Paris, et j'avais pas de rédaction où aller, ouais, pour vivre l'événement avec les autres journalistes, travailler s'il fallait, etc. Là, je me suis senti frustré. C'est ça qui vous manquait. Ouais. Vous avez de la rancune contre Jean-Pierre Elkabbach, par exemple? N'en parlons pas. Ouais. D'accord. Inutile. Alors, si c'était à refaire votre vie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Hervé? Eh bien, je crois... Non, franchement, je crois que presque tout, quoi. À part une ou deux petites... Mais c'est de l'anecdote. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? J'ai envie de dire, choisis ta vie. Ouais. Je trouve que c'est... Moi, j'ai choisi ma vie, il me semble, hein, dans tous les domaines, que ce soit professionnel, affectif, amoureux, etc. Et bon, alors évidemment, il y a aussi saisi ta chance, parce que ouais, il faut avoir ces chances-là, je les ai eues. Mais à un moment, il faut savoir choisir sa vie et se débarrasser des contraintes sociales, familiales et autres. Merci Hervé, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, merci. Merci Thierry. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.